Donc, allons-y, on va parler du stress et on va parler de justement comment gérer son stress pour avoir des bonnes notes. Souvent, il y a beaucoup d'élèves qui sont arrêtés par justement cette notion de stress. D'abord, on va voir ce que c'est que le stress. Donc, le stress, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, mais pas que, aussi dans le corps, hein, des niveaux de stress trop intenses, enfin, de stress joue dans tout le corps. À l'origine, c'est un phénomène physiologique qui est très utile parce qu'il permet de dire attention, là, il faut vraiment que je sois au point. Et du coup, au moment où le stress monte, on a des hormones qui font qu'on est plus affûté, plus attentif, etc. Donc, au départ, oups, enfin, des petits de temps en temps, c'est bon. D'accord? Donc, le stress, déjà, c'est pas forcément mauvais. Donc, par exemple, stresser un petit peu au moment du DST, c'est bien. D'accord? Parce que ça va faire monter votre niveau d'attention, vous êtes plus concentré, etc. Donc, le bon stress, ce qu'on appelle le bon stress, permet de mieux performer. Donc, le but, c'est pas. C'est pour ça que je vais gérer son stress et pas faire disparaître le stress. On va aller chercher du stress un petit peu. Le problème qui arrive souvent chez les élèves, c'est quand il y a trop de stress. C'est-à-dire qu'on arrive sur des pics qui sont tellement hauts qu'au lieu de nous aider à être plus attentifs, plus concentrés, en fait, ça nous bloque. Ce qu'ils disent, en fait, je suis bloqué en DST parce que je stresse. Ou alors si ça dure trop longtemps. D'accord? Le stress s'est fait physiologiquement pour faire des pics où, si vous voulez, on met tout en œuvre là en avance, puis après, le corps a besoin de récupérer sur un temps long. Si on fait pic, 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 bah du coup, vous voyez, ça part un peu trop en intensité. Et au final, bah on arrive trop vite sur du mauvais stress. Et si on a trop de stress trop longtemps, bah on peut avoir des problèmes de mauvaise performance. Mais ça, c'est si ça se passe bien. C'est-à-dire, au pire, on rate. Au mieux, on rate plutôt. Et au pire, on a des problèmes de santé. D'accord? Le pire que. Enfin, voilà. Donc, ça peut aller sur des. C'est ce que je dis, c'est dans le corps aussi, le stress. Puisque c'est des hormones qui ne sont pas que dans le cerveau. Ces hormones, elles sont dans tout le corps. Donc, typiquement, on va avoir apparaître. Ça peut être du mal de dos, ça peut être du mal de ventre, pas mal de. Enfin, voilà, ça s'ajoute dans le corps, etc. Ça peut être autre chose, ça dépend des gens. Et le problème après, c'est que ça joue sur le sommeil. Et une fois qu'on ne dort plus, on n'apprend plus. Du coup, on stresse. Du coup, on dort moins, etc. etc. Et globalement, le problème donc le but, c'est d'aller éviter ce trop de stress ou trop longtemps. Le problème, c'est que le stress se nourrit d'un cercle vicieux. Je vais appeler cercle de rétroaction, qui du coup devient vicieux. C'est-à-dire qu'on va aller imaginer. Pour le stress va se démarrer parce qu'on imagine, on voit qu'il y a une situation de danger. Par exemple, on imagine qu'on va rater son DST de maths. On imagine qu'il y a une situation de danger. Du coup, on fait du stress. Et s'il y a effectivement une situation de danger et que le stress est là, bah ça l'a fait baisser, le DST de maths est passé. Mais si on commence à imaginer des choses, si le stress nous fait imaginer des choses, typiquement, il y a un DST de maths, mon niveau de stress monte. Je me dis, ça se trouve, je vais rater mon DST de maths, donc je vais rater ma vie. Du coup, comme je vais rater ma vie, mon niveau de stress monte encore plus et on a ce cercle vicieux entre ce que j'imagine et la réalité et ce que j'imagine et la réalité. Enfin, voilà. Et en fait, enfin, justement, on n'est pas dans la réalité. On est dans les choses qu'on imagine qui se nourrissent, etc. Et donc, ça peut créer de l'anxiété, notamment. Et l'anxiété, ce n'est pas du stress, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Autant le stress, c'est ponctuel. Autant l'anxiété, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. On se dit, mais en fait, je vais pas y arriver. Ou j'ai peur d'aller en cours, enfin voilà. Et donc là aussi, on est sur des comportements qui sont très très dommageables pour la vie sur le long terme. Donc il y a cette idée de cercle vicieux. Ce cercle vicieux, il a lieu vraiment dans sa tête. D'accord? C'est un cerveau que j'essaie de dessiner. Donc il y a deux choses à faire pour gérer son stress. Enfin, l'idée de base, c'est vraiment d'éviter de rentrer dans ce cercle vicieux ou d'essayer d'en sortir. Si on voit le cercle vicieux qui commence à apparaître, on peut faire une stratégie qui est la stratégie du pire scénario. D'accord? Le DST de maths arrive. Mais en fait, j'ai réalisé que je ne comprends pas le cours, etc. etc.
Du coup, le sargassieux se met en place. Ah, mais du coup, ça veut dire que je vais rater. Ah, mais si je vais rater, ben, je vais avoir une mauvaise note. Ah, puis je vais rater ma vie. Et puis, voilà. Mais en fait, ça veut dire quoi, rater sa vie? Et donc, le pire scénario, l'idée, c'est de le regarder avec des yeux rationnels. Enfin, c'est un peu difficile à dire, mais OK. On va regarder le pire du pire. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais souvent, comme on est dans ce sargue dans la tête, le pire du pire est nettement pire que, en fait, ce qui va se passer. Typiquement, il y a un DST de maths. OK. Quel est le pire du pire qui puisse arriver? Imaginez la pire note possible que vous puissiez avoir en maths. Alors, ça dépend. Si vous avez l'habitude d'avoir 15, peut-être que votre pire note, c'est 8. Si vous avez l'habitude d'avoir 12, peut-être que votre pire note, c'est 3 ou 4. Donc, imaginez la pire note. Vraiment, la pire. Voilà, c'est bon. Vous avez raté le DST. OK? Bon, vous avez un 3. Ce qui fait que votre moyenne, elle est... Bah, ça, je ne sais pas, parce que ça va dépendre. Regardez votre moyenne et dites-vous, est-ce que ça va vraiment avoir cet impact-là? Et... souvent, les élèves me disent « Ah, mais si je rate mon DST, je vais rater ma vie. » Alors, déjà, non. Souvent, rater un DST, c'est souvent perdre quelques points. Quelques points, ça veut dire une moyenne qui descend. Ce qui veut dire qu'on a un dossier Parcoursup un peu moins bon. Est-ce que ça veut dire que du coup, on ne trouvera rien? Certainement pas. Est-ce que ça veut... Enfin, voilà, il faut voir que tout le monde trouve quelque chose avec Parcoursup. Donc, même si vous avez un dossier pourri, vous allez trouver quelque chose. Et une fois que vous serez dans cette... dans cette école post-bac, et ben vous pourrez, vous aurez une deuxième chance pour remontrer ce que vous êtes capable de faire, etc. Même au pire du pire, si jamais vous n'arrivez pas à trouver un diplôme, bah, c'est un peu dommage, mais ça ne veut pas dire que votre vie elle est ratée. Il y a plein de gens qui réussissent à avoir des métiers, voire même des métiers typiquement les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs, il y en a plein qui n'ont pas de diplôme et qui aujourd'hui, il y en a qui sont millionnaires. Donc, certes, il y a une meilleure corrélation quand on a un diplôme que quand on n'a pas avec... Bon, ça protège le chômage, etc. Mais il y a des gens avec des diplômes qui sont au chômage et il y a des gens sans diplôme qui sont millionnaires. Donc, c'est pas parce que vous avez raté votre DST de maths que vous allez finir dans le caniveau. D'accord? Faut faire attention à ça. Faut pas... Voilà, le pire scénario, c'est juste, OK, ben, je vais avoir une moyenne un peu moins bonne, j'aurai une école un peu moins bonne. Voilà. Bon, ben, finalement, c'est pas si grave. La deuxième chose, c'est, donc ça c'est plus sur le long terme. Quand vous voyez qu'il y a, quand vous voyez que ça sert vicieux qui commence à se mettre en place, OK, on prend le temps, on réfléchit concrètement, OK, c'est quoi le pire? En fait, c'est pas si pire. Deuxième chose, c'est plus en ponctuel. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est des techniques que vous allez pouvoir utiliser en début de DST. Quand vous voyez que... En début de DST, quand vous voyez qu'il y a cette montée, de, cette bouffée de stress qui monte. Que vous voyez que ça s'emballe dans votre tête. Vous dites, ah, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Du coup, vous n'êtes plus capable de réfléchir. Vous voyez cette bouffée de stress qui monte. Et là, c'est important d'arrêter la boucle. Alors là, vous n'allez pas vous faire pendant le DST tout ce que j'ai dit. Non, on arrête la boucle. Donc, l'idée pour arrêter la boucle, c'est qu'il faut éviter que le cerveau pense. Ah, c'est facile à dire. Il faut éviter de penser parce que le cerveau, il est en mode automatique là. Il pense au truc qui le stresse, du coup ça le stresse, du coup il pense au truc qui le stresse, du coup ça le stresse. Stop. À un moment, il faut lui dire maintenant tu t'arrêtes. T'arrêtes de penser, petit cerveau. C'est fini, t'arrêtes de penser. Bon, c'est difficile pour le cerveau d'arrêter de penser. Donc, pour éviter. Enfin, on va lui faire un petit truc, on va lui dire de penser à autre chose. Il va penser à un truc qui fonctionne bien, c'est la respiration. Ou les battements du cœur. Ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps, qui sont réguliers. Donc voilà. Donc on peut faire par exemple ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est on va aller respirer calmement en se concentrant uniquement sur la respiration. Le but, c'est pas de respirer bien, mais c'est d'être concentré sur la respiration pour que le cerveau, il arrête ce mode fou en fait. Il est en train d'ouvrir les vannes en grand et il faut arrêter. Donc, on se concentre sur la respiration. On respire. Moi, ce que j'aime bien faire, moi, je ne suis pas sophrologue ni rien, mais ce que j'aime bien faire, c'est 3 respirations. 1, 2, 3. Et après, je souffle pendant, je ne sais plus... je souffle pendant un peu plus longtemps. Donc, par exemple, je fais 3 respirations. Je compte... Attendez, non, c'est pas 3 respirations, c'est 3 secondes. Et après, je vais souffler pendant 4 secondes. Donc, je compte. 3. Pour inspirer, et après. 1, 2, 3, 4. Au fur et à mesure qu'on reste concentré, voilà, à compter ces secondes pendant lesquelles on respire, le cerveau, il pense à autre chose.
On va écouter, on va pouvoir commencer à écouter son cœur qu'on doit sentir ralentir. Et donc ça, ça permet de se concentrer sur autre chose que voilà. Ça, c'est vraiment, c'est des grosses bouffées de stress. Sinon, un truc tout bête, avant de commencer un DST, il faut prendre une grande respiration. Une ou trois. Juste. On peut faire ça trois fois. Et après, on y va. En plus, ça oxygène le cerveau, ça évite qu'il parte dans ce mode-là, etc. Ces petites choses que je vous donne là, elles sont pas suffisantes, vous voyez que c'est pas suffisant, c'est que vous avez si vous êtes déjà rentré là-dedans. Dans des problèmes de stress qui ne peuvent pas être réglés avec des petites astuces comme ça. Et donc moi, ce que je vous conseille, bah, c'est d'aller regarder, d'aller consulter, etc. Ce qui peut aider sur le long terme aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est hyper important, c'est le sport. Donc si vous avez un problème de stress, vous pouvez commencer à faire du sport. Le sport, du coup, ça focalise sur autre chose, donc ça évite que ça monte. En plus, le sport au niveau hormonal, il va créer d'autres hormones qui vont contrebalancer les hormones de stress. Donc c'est très physique, hein. Je ne suis pas en train de vous dire faut faire du sport parce que non, ça marche. Voilà, en première approximation, on peut faire du sport. Après, on peut aller regarder des techniques justement qui vont aider à se focaliser sur. Se focaliser et pas laisser tout ce fouillis du cerveau qui du stress. Ça va être yoga, sophrologie. Il y en a qui vont même jusqu'à l'hypnose, enfin tout ce genre de choses qui permet d'aller chercher. Donc ça, c'est à vous d'aller chercher des trucs pour vous aider si vraiment il y a quelque chose de coincé. N'hésitez pas à demander à un adulte, à un prof, à votre médecin, à vos parents. Et peut-être que ça vaut le coup d'aller faire ça peut être un psychologue aussi, je n'y ai pas pensé, mais un psychologue qui peut vous aider. Peut-être qu'il y a un nœud qui se joue et peut-être qu'il faut juste se débloquer pour pouvoir avancer. Mais ça vaut le coup quand même de regarder. Mais voilà, en se rappelant, le bon stress de temps en temps, quand on stresse un peu, c'est une bonne chose, donc ça, faut le garder. Le problème, c'est quand il y en a trop ou qu'il dure trop longtemps. Voilà.